Gloire à Dieu. Si vous espérez quelque chose, je dis gloire à Dieu. Heure de réveil. Heure de miracle. Heure de puissance. Et ça viendra sur ta vie. Où es-tu? Père, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu feras des prodiges dans chaque vie ce jour. Tes promesses sont oui et amen. Et nous savons que tu vas accomplir tes promesses. Seigneur, nous prions que tu ouvres les écluses des cieux. Déverse tes bénitions sur chacun au nom de Jésus. Remplis chaque vase. Touche chaque vie. Guéris chaque maladie. Délivre les opprimés. Fais des prodiges dans chaque vie. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en Hébreux chapitre 6. Je vous lis le verset 12. Hébreux chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ici, l'Esprit du Seigneur, par l'apôtre Paul, l'apôtre nous dit et nous aide, nous dirige et nous instruit que dans la prière, nous ne devons pas relâcher. En cherchant la face du Seigneur, nous ne devons pas relâcher. Nous ne devons pas suivre le sentier de l'aisance, le sentier de la du relax. Nous devons être occupés. Il y a un Dieu au ciel qui exauce les prières. Il dit que nous ne devons pas relâcher dans la prière. Il y a un Dieu au ciel qui nous regarde comme nous nous saisissons, comme nous saisissons les promesses de Dieu. Et il dit que nous ne devons pas nous laisser retracter, nous ne devons pas être oisifs, indolents. Il dit, vous ne devez pas vous relâcher. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Il dit, regarde l'histoire, regardez les récits des saints de Dieu et de leur rapport avec Dieu. Vous verrez qu'il y a des hommes et des femmes de la même nature que nous. Ils se sont attachés aux promesses de Dieu. Et ils ont vaincu. Il dit, regardez leur exemple et suivez-les. C'était des gens qui par la foi et par la persévérance, ont hérité des promesses. Ce soir, nous considérons le message, hériter les promesses par la foi. Hériter les promesses par la foi. Allons en Romains, au chapitre 4, verset 18. Romains, chapitre 4, verset 18. Espérant qu'en toute espérance, Il nous donne le récit ici, il nous donne l'histoire, il nous donne l'arrière-plan des hommes et des femmes qui se sont attachés à Dieu et il te défie et il me défie, il nous défie tous que nous ne devons pas relâcher, être oisifs ou paresseux, froid, tiède, mais nous devons nous lever et défier tous les problèmes que nous avons. Même lorsqu'il semble que c'est désespéré, parce qu'il nous donne l'exemple de ceux qui, contre toute espérance, crurent, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. On dit, comme vous venez dans la prière et que nous espérons de grands miracles de la part du Seigneur, nous ne devons pas regarder ce que nous pouvons sentir, ce que nous pouvons voir, ou la main dont nous avons été, notre condition physique, notre condition déplorable, notre condition désespérée, ou quel que soit ce qui se passe autour de nous. Il nous donne l'exemple d'Abraham.
Il n'était pas faible dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ceux qui ont l'incrédulité de Dieu, ils doutent, comme les ivrognes, sur les promesses de Dieu. Comment est-ce que cela est possible? Est-ce que vraiment ça peut arriver? Est-ce que ce miracle peut vraiment avoir lieu? Ils ont beaucoup de questions. Il n'y aura pas de questions ce soir. Dieu va exaucer à tes prières. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Fortifié par la foi. Fortifié par la foi. Tu seras fortifié par la foi au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Tu dois avoir la conviction dans ton cœur. Notre Dieu ne peut faillir. Ses promesses ne peuvent faillir. Sa puissance ne peut faillir. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Notre Dieu est capable ce soir. J'ai dit, notre ton Dieu est capable ce soir. Capable de sauver, capable de guérir, capable de délivrer, capable de détruire toutes les œuvres du diable. Voyez ceci, verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? C'est encore à cause de moi. Car c'est à cause de moi aussi. C'est l'exemple écrit pour toi. L'exemple d'Abraham. Que comme Abraham fut fortifié par la foi, ce soir tu seras fortifié dans la foi. Comme il ne douta point par incrédulité, ce soir tu ne vas pas douter par incrédulité au nom de Jésus. Il avait la pleine conviction. Et ce soir, tu as la pleine conviction. Il y a un seul miracle qui reste, que le ciel donne. C'est toi le candidat, tu vas l'avoir ce soir. Pour nous tous. Mais c'est la cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses. Et est ressuscité pour notre justification. Hébreux chapitre 10. En Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Vous voyez, il dit ce soir, comme nous venons à Dieu, comme nous prions Dieu, comme nous réclamons les promesses de Dieu, nous nous approchons avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Il y a l'assurance ce soir, les miracles vont se produire. L'assurance ce soir, qui aura l'impossible. L'assurance ce soir, qu'il va déplacer toutes les montagnes. On dit dans ce verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement. Vous avez une promesse, retenons fermement. Vous avez une attente, retenons fermement. Vous demandez quelque chose dans la prière ce soir, retenons fermement. Vous croyez contre toute espérance, ayant l'espoir, retenons fermement. Vous savez que cette montagne devant toi sera déplacée ce soir. Retenons fermement la profession de notre espérance sans douter, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a beaucoup de promesses de Dieu. En réalité, les promesses sont aussi nombreuses que les besoins de tous les hommes. Quels que soient tes besoins ce soir, il y a une promesse qui est appropriée pour le problème que tu as. Et cette promesse viendra dans ta vie et le Seigneur va balayer le problème au nom de Jésus.
Les promesses sont aussi fermes que la fidélité de Dieu. Ces promesses sont aussi fraîches que lorsqu'elles ont été données, proclamées pour la première fois par le Seigneur, parce qu'il est éternel, parce qu'il est toujours là. Et tout ce qu'il dit, il avait dit avant de façon nouvelle, de façon fraîche, il dit la même chose aujourd'hui. Les promesses de Dieu que nous allons lire ce soir, et chaque promesse de la parole de Dieu que tu liras, elles sont toujours aussi fermes, aussi fraîches, elles sont aussi fiables comme au moment où Dieu les a données pour la première fois. Il n'y a pas de possibilité d'échec. Dans ta vie, il n'y a pas de possibilité d'échec ce soir. Dans ta famille, il n'y a pas de possibilité d'échec ce soir. Pourquoi? Premièrement, parce que Dieu est fidèle. Il n'oublie pas, il ne peut pas oublier et il ne peut échouer. Une fois qu'il prononce quelque chose et qu'il dit, voici ce qui sera, il n'oublie pas. Toutes les promesses que nous lisons ce soir, Dieu ne peut pas les oublier. Dieu est fidèle. Deuxièmement, Dieu est puissant. Il n'y a rien qu'il a promis faire qu'il reviendra pour dire, vraiment, j'avais dit, mais je ne pense pas que je peux faire ça. Je n'ai plus la force. Je n'ai pas la puissance. Jamais. Parce que Dieu est puissant. Il est puissant, plus puissant que toutes les forces d'opposition. Toute force d'opposition dans ta vie, toute chose dans ta vie qui combat contre l'accomplissement des promesses de Dieu, le Dieu puissant va les détruire ce soir de ta vie. Troisièmement, Dieu est immuable, inchangeable. Il est toujours là. Rien ne le déplace. Il est inamovible. Et pour cela donc, il ne peut changer. Il ne va pas changer. Et rien ne va changer les propos et ou la proclamation des proclamations qu'il nous a données. Quatrièmement, Dieu. Troisièmement, il est immuable. Quatrièmement, il est éternel. Toutes les choses de la terre sont temporaires et temporelles. Tout ce que vous endurez, tous les défis que vous endurez, c'est pour un moment. Et en un instant, toute chose sera annulée de ta vie au nom de Jésus. Cinquièmement, Dieu est omniprésent. Il est là avec toi. Il est là à tes côtés. Et tu ne peux pas dire, je le cherche. Rien n'échappe à sa vue. Il te remarque là-bas. Il te voit là-bas. Il voit le problème que tu as là-bas. Il connaît l'ampleur du problème. Et il sait combien de temps le problème a déjà duré dans ta vie. Il est omniprésent. Non seulement ça, il est omniscient. Il connaît la solution à tes problèmes. Et il t'apportera la solution ce soir. Jésus t'apportera la solution ce soir. Il ne viendra pas en retard. Et ce sera à l'heure. Et ce soir, dès que tu mentionneras le nom de Jésus, ce sera fait au nom de Jésus. Septièmement, il est omnipotent. Personne n'est comme lui en puissance. Personne n'est comme lui en autorité. Quel que soit ce qu'il a dit faire, il le fera. Et ce soir, c'est cette soirée. J'ai dit ce soir, c'est ma soirée. J'ai dit ce soir, c'est ma soirée. Quel que soit ce qui doit être ébranlé de ta vie, ce soir, c'est ce sera fait. Quel que soit ce qu'il faut enlever de ta vie, ce soir, c'est déjà fait. Quel que soit ce qu'il faut être impacté dans ta vie, ce soir, c'est fait. Tu vas hériter les promesses par la foi ce soir. Et cela va t'arriver au nom de Jésus. Trois points à considérer premièrement. La promesse de la liberté totale dans le salut. La promesse de la liberté totale dans le salut. Vous êtes sauvés. Et beaucoup de choses accompagnent ce salut. La liberté totale, tout joug brisé, toute malédiction annulée,
toute robe, toute chaîne qui te retenait, qui te liait, tout est brisé. Toute la liberté totale ce soir. Pour moi. J'ai dit pour moi. La liberté totale dans le salut. Deuxième point. La provision de la fécondité ou de la fructification pour tous les saints. La provision de la fructification. Tu seras fructueux. Ta famille sera fructueuse. Dans l'eau de tes mains, tu seras fructueux. Dans ta profession, tu seras fructueux. Dans le gain des âmes, tu seras fructueux. Toute forme de stérilité spirituelle, stérilité physique, stérilité financière, stérilité dans ce qu'il faut manger, la stérilité dans l'emploi, toute forme de stérilité sera enlevée de ta vie au nom de Jésus. La provision de la fructification pour tous les saints. Troisième point, la prophétie de la plénitude avec l'esprit. La prophétie de la plénitude avec l'esprit. Revenons au premier point. Qu'est-ce que vous avez au premier point déjà? Quelle est ta possession dans le premier point? Quelle est ton attente dans le premier point? La promesse de la liberté totale dans le salut. La liberté dont nous parlons. À trois branches, premièrement, la liberté de tout péché. La liberté de tout péché. Le diable pensait qu'il pouvait te maintenir dans ce péché. Le diable a échoué. Deuxièmement, la liberté de toute maladie. Toute forme de maladie est annulée ce soir. Tout ce que tu trimbalais dans ton corps et tu essayais de secouer cela, de te débarrasser de cela, ce soir ça va partir. La liberté de toute maladie. Troisièmement alors, la liberté de toute affliction de Satan. Félicitations, tu es libre. Regardons Jean, premièrement, la liberté de tout péché. Tu es libre. J'ai dit tu es libre. Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous comprenez ce verset? Voyez ce verset encore. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez cela, ce n'est pas après que Jésus parlait, non. Quand il a fini de parler, non. Comme Jésus parlait, le message était encore en cours. Dans leur cœur, ils ont cru. Pendant que le message est en cours ce soir, et que tu te dis, je crois cela, je crois cela, j'ai dit je crois cela. Le travail va commencer. Je crois cela. Le miracle va commencer. Je crois cela. Ses yeux aveugles vont s'ouvrir. Je crois cela. La force viendra dans ton corps faible. Voyez ce verset 30 encore. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous allez continuer. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous fera quoi? Vous affranchira. Regardez ici s'il vous plaît. Vous voyez, les gens pensent. À ma force m'affranchira. Mon énergie m'affranchira. Mes luttes vont m'affranchir. Mes efforts vont m'affranchir. Ils cherchent quelque chose venant du dedans d'eux pour les affranchir. La vérité vient de Christ. Et la vérité vient du dehors. Ce n'est pas ce que tu sens.
ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ton pouvoir. La vérité que tu écoutes t'affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu merci, ta liberté est venue. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 7. Romains 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Ça veut dire quoi? Tu dis, mais je suis encore vivant. Mais tu dois comprendre. Quand Christ était crucifié, c'était pour toi. Quand Christ est mort, c'était pour toi. Quand il a été enseveli, c'était pour toi. Et quand il est ressuscité des morts, ça également, c'était pour moi. Et il dit, tu t'es identifié à Christ. Viens du côté de Christ. Il a été crucifié pour moi. Il est mort pour moi. Il a été enseveli pour moi. Il est ressuscité encore pour moi. Je suis mort avec lui. Mon ancienne nature est morte avec lui. Et il dit maintenant, voyez la conséquence de cela. Car celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que je suis libre ce soir? Je parle de toi. Est-ce que tu es libre ce soir? Est-ce que toi tu es libre ce soir? Dieu merci, tu es libre. Toute chaîne du péché qui te retenait, tu en es libéré au nom de Jésus. Verset 8, 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Verset 22. Mais maintenant, aujourd'hui, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Premièrement donc, je suis libre de tout péché. Je suis libre. Deuxièmement, libéré de toute maladie. Libéré de toute maladie. Regardez ici s'il vous plaît. Quand quelque chose est attaché à toi, et ça te suit, et c'est attaché à toi, et tu sens le poids lourd, tout d'un coup, quelqu'un vient, et il brise la corde, l'association, l'affiliation, et il ôte cette chose de ta vie. Le fardeau est parti, tu te sens léger, tu te sens libre, et c'est ce que Christ est venu faire contre tes maladies ce soir. Tu traînais ça depuis, tu te baladais avec ça depuis, et tu disais, oh misérable que je suis, oh femme misérable que je suis, oh jeune fille misérable, jeune misérable, qui va me tuer, ça ne va pas te tuer. Tu es venu à la présence de Christ, et tu es venu au pied du calvaire. Tu es libéré de toute maladie ce soir au nom de Jésus. C'est là depuis des années. Tu es libre. Tu essayais de tolérer ça. Tu es libre. Tu essayais d'endurer cela. Tu es libre. Regardons à Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Et je vous lis à partir du verset 16. Matthieu 8, verset 16. Le soir. Comme ce soir. Voici ton soir. Le soir de miracle, le soir de délivrance, le soir de liberté, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tout combien de personnes. Est-ce que tu es dans ce nombre? Et il guérit, je dis combien de personnes? Ton nom est dedans. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris par un ange
lui-même, pas un homme, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a déjà porté ça. Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, verset 1er. Dans le verset 1, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de les chasser et de guérir quoi? Toute maladie et toute et quoi? Et toute infirmité. Verset 8. Guérissez les malades. Et si tu es là ce soir, malade, ce n'est pas toi qui va dire, je ne suis pas fort. Non. Tu seras guéri ce soir. Je ne sais pas ce que je dois faire. Tu seras guéri ce soir. Il a donné le commandement. Il a donné la commission. Guérissez les malades. En son nom. Et quand nous mentionnons ce nom ce soir, tes maladies seront parties. Purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez. Je t'attends. Donnez gratuitement. Est-ce que tu vas payer quelque chose pour la guérison ce soir? Est-ce qu'il faut jeûner avant d'être guéri ce soir? Est-ce qu'il faut rouler par terre avant d'être guéri ce soir? Est-ce qu'il faut acheter de l'huile avant d'avoir la guérison ce soir? Non, gratuitement, ça te parviendra. Marc chapitre 16. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des croyants ce soir ici? J'ai dit, est-ce qu'il y a des croyants ici ce soir? Voici les miracles qui vont t'accompagner. La guérison va t'accompagner. La délivrance va t'accompagner. La prospérité va t'accompagner. L'exaucement aux prières va t'accompagner. Tu ne vas pas chercher, regarder. Où est ma guérison? Où est ma guérison? Ah, ne t'en fais pas, ça va te suivre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Regarde la personne qui est à ton côté et dis, tu seras guéri ce soir. Maintenant, de l'autre côté, tu seras guéri ce soir. Regarde derrière toi, tu seras guéri ce soir. La guérison est venue. La guérison est venue. Les miracles sont venus. Félicitations, je me réjouis avec toi. Vous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà le verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il y a un amen dans ta vie. Amen dans ta famille. Et c'est fait au nom de Jésus. Et il y a la liberté de toute affliction de Satan. Voyons Luc. Luc, chapitre 10. Nous parlons de la troisième partie, la liberté de toute affliction de Satan. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Toute épouse repartira avec joie ce soir. Toute fille repartira avec joie ce soir. Tout mari repartira avec joie ce soir. Tout garçon, toute fille retournera à la maison avec joie ce soir. Et tous ceux qui ont dit, je n'ai jamais rien eu avant, ce soir c'est différent. Il dit, ce soir c'est différent. Tu retourneras avec joie. La joie d'exaucement aux prières. La joie de témoignage. La joie de victoire. La joie de liberté. Je suis libre. J'ai dit, je suis libre.
Verset 17, les 70 revêtent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Devant toi, Satan va tomber. Tous les messagers de Satan vont tomber. Tous ceux qui te terrorisaient et qui disaient, tu ne vas pas passer par ce chemin, ils vont tomber et tu vas passer par ce chemin. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu as ce soir? La faiblesse? La tristesse? La honte? La défaite? Qu'est-ce que tu as ce soir? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, de tes ennemis, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est réel ce soir? Est-ce que tu vas la voir ce soir? Tu es libre. Romains chapitre 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Romains 16, je vous attends. Chapitre 16 de Romains, verset 20. Marquez ceci dans votre Bible. Ceci, cette promesse, c'est pour toi. Dans la journée, c'est pour toi. Dans la nuit, c'est pour toi. Dans la ville, c'est pour toi. Dans le village, c'est pour toi. Et quand quelqu'un, une puissance te menace, reviens à ce verset et tu verras la victoire. Et le Dieu de paix écrasera Satan bientôt sous les pieds de qui? Sous vos pieds. L'année prochaine, dans 5 ans, quand le Dieu de paix, le Dieu de puissance, le Dieu de promesse, le Dieu de toute force, le Dieu de majesté, le Dieu de domination, le Dieu de délivrance, le Dieu qui ne joue jamais, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Bientôt. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est fait. Deuxième point. La provision de la fructification pour tous les saints. Pour combien de saints? Est-ce que tu fais partie d'eux? Où es-tu? Je me réjouis avec toi. Tu ne connaîtras plus jamais d'échec dans ta vie. Toutes les défaites du passé pour lesquelles tu pleures sont passées pour toujours au nom de Jésus. La provision de la fructification. Tu seras fructueux. Tes études seront profitables. Tout ce que tu feras de tes mains va prospérer au nom de Jésus. La fructification. Quelqu'un doit crier fructification. Il y a 3 choses également. Premièrement, plus de stérilité. Est-ce que tu m'as entendu? Plus de stérilité. Deuxièmement, plus de retard. Je viens toujours dernier. Ça, tu seras toujours à la tête. Le retard annulé au nom de Jésus. Troisièmement, plus d'amertume. Les expériences amères, les pleurs, l'angoisse, rejet, voulant commettre le suicide, tout cela est ôté. Ton avenir est brillant.
Je cherche la personne dont je parle là-bas. J'ai dit ton avenir est radieux. Un, plus de stérilité. Deux, plus de retard. Trois, plus d'amertume. Premièrement, c'est toi. Exode, chapitre 23. Exode, chapitre 23, verset 22. 23, 22, Exode. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Plus de stérilité au nom de Jésus. Et la personne dont tu as le nom sur ta liste de prières, il dit, prie pour moi, bien-aimé, hein, dans le Seigneur, prie pour moi, mon frère, dans le Seigneur, prie pour moi. Hein. Tous ces gens-là qui ont demandé la prière pour toi, de ta part, à part de ce moment, l'astérité annulée de la vie. Ils ne seront plus stériles et je remplirai le nombre de tes jours. Quelqu'un là-bas se vivra longtemps. Rien ne va écourter ta vie. Longévité. 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 Tout ce qui a écouté la vie de quelqu'un ne va même pas s'approcher de toi. Tu ne seras plus stérile au nom de Jésus. Psaume 100. 13. Psaume 113. Je lis le verset 6. Psaume 113. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Il t'a déjà élevé. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, de son peuple. Verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel! Premièrement donc, plus de stérilité. Efface tes larmes. Deuxièmement, plus de retard. L'échec est annulé. La défaite est annulée. Deutéronome 28. Deutéronome, chapitre 28, verset 1er. Cela est déjà arrivé. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, est-ce que c'est ton Dieu, te donnera la supériorité? Est-ce que tu reçois ça? C'est pour toi. Tu es venu du fond, de derrière la queue, tu es devant la queue maintenant. Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voyez ceci, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi.
dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tout examen que tu passeras, tu vas réussir. Tous les efforts que tu essaieras, tu vas réussir. Tout plan que tu feras, ça va marcher. Tout projet que tu vas commencer, tu vas l'achever. Il dit, dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Les puissances maléfiques auront peur de toi. Ceux qui se cachent dans les ténèbres, quand ils mentionneront ton nom, ils trembleront. Et l'Éternel te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir plus de soustraction, et pour bénir rien à ôter, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Voyez le verset 13. Je dois respirer profondément avant de lire le verset 13 pour toi. Tu dois le regarder très bien avant qu'on lise le verset 13. Voyez ceci, voyez cela. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, premièrement donc, plus de stérilité. Amen. Deuxièmement, plus de retard. Voyez, trois gens, vers la fin du Nouveau Testament, trois gens, un seul chapitre, verset 2. Bien-aimés, est-ce qu'il y a des bien-aimés dans la maison ce soir? Bien-aimés, est-ce qu'il y a un bien-aimé du ciel ici ce soir? Est-ce qu'elle est là ce soir? Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est fait. Mon frère, c'est fait. Ma soeur, là-bas, c'est fait. Premièrement, plus de stérilité. Tu acceptes cela. Plus de retard. Tu acceptes cela. Troisièmement, plus d'amertume. Exode 15. Exode, chapitre 15, verset 23. Exode 15, verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. C'est l'arbre du calvaire, le bois du calvaire. C'est là où Jésus est mort pour toi. Et il est mort pour changer toute situation dans ta vie.
Toute situation amère de ta vie deviendra douce à partir de ce soir au nom de Jésus. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'amertume est partie. La tristesse est partie. La défaite est partie. Les pleurs sont terminés. Toutes tes larmes sont effacées au nom de Jésus. Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. Commençons avec le verset 15. Ensuite, je reviendrai vers d'autres versets. Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. L'amertume. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ça, c'est la vie amère. Verset 11. Quand l'Éternel rachète Jacob, il te délivre de la main d'un plus fort que lui. Toute chose plus fort que toi, qui te retenait captif, rendant ta vie amère, ils sont balayés ce soir. Verset 14. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple, les ouvriers ici ce soir, il y a une plénitude spéciale de bénédiction sur votre vie. Et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Ton travail sera récompensé. Tes efforts seront récompensés. Tes aspirations seront récompensées, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Tes bénédictions seront libérées. Tes droits sur lesquels sont assis seront libérés pour toi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Les choses ne vont plus continuer dans l'amertume, ne vont pas finir dans les larmes, ne vont pas finir dans la tristesse. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Verset 20. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Dieu se souvient de toi. Il se souvient de tes larmes. Même si il t'avait corrigé, il t'avait repris, il dit, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui. La miséricorde est venue pour toi. La fructification dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point, la prophétie de la plénitude avec l'esprit. La prophétie de la plénitude avec l'esprit. Voyons la prophétie. Joël, en Joël chapitre 2, Joël 2,
Verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur, avec le jeûne, avec les pleurs et avec les larmes. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. La grâce multipliée te parviendra ce soir. La miséricorde multipliée te parviendra ce soir. Là, la colère est riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du moelleux de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 21, terre ne crains pas, sois dans l'allégresse, et réjouis-toi. De qui est-ce qu'il parle? Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Les larmes sont effacées déjà. La tristesse est partie. Et toute la crainte est bannie. Ne crains rien. Sois dans l'allégresse. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Tu porteras de fruits. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Verset 25. Verset 25. Quand est-ce que ça va commencer? Et c'est pour qui ce soir? Tu vas te réjouir sur ta famille. La restauration est venue. La restauration totale, la pleine restauration. Et il dit, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. » Qui aura fait pour vous? Qu'est-ce qu'il va faire pour vous? J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Qui aura fait pour vous des prodiges? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus une fois encore jamais dans la confusion. Après cela, et ça va s'accomplir ce soir. Sur toi, ça va s'accomplir ce soir. Dans ta famille, ça va s'accomplir ce soir. Parmi nos dirigeants, nos ouvriers, nos membres, nos invités, ça va s'accomplir ce soir. Après cela, je répandrai mon esprit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il y a une effusion ce soir, une effusion de puissance,
un déversement d'onction, une effusion d'onction, un déversement d'exaucement aux prières, un déversement de satisfaction. Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Actes chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous. Où est-il? Où est-elle là-bas? Merveilleux. Gloire à Dieu. Ce soir, c'est ta nuit. Cette promesse va te suivre, viendra sur toi et va se répandre sur toi. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Combien de ceux qui sont loin? Tous ceux qui sont au loin. Combien parmi de ceux qui sont loin? Tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il t'a appelé pour la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est pour toi ce soir. Et tu vas repartir avec la victoire. Tu repartiras avec la puissance. Voyez le chapitre 8, verset 5. Chapitre 8, des Actes des Apôtres, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha ce soir. Nous sommes descendus ici dans le temple à Bagada. Et nous prêchons Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Tu verras la miracle ce soir. Les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Lisez ça vous-même, verset 8. Verset 8. Criez-le, 1, 2, 3, allez-y. Et il y eut une grande joie dans le camp ce soir. Une grande joie dans le camp ce soir. Parce qu'il y a une fusion. J'ai dit, il y a une fusion. Et cette fusion viendra sur toi. À cause de cette plénitude. Et que la plénitude de l'esprit est, il y a la puissance illimitée. La puissance illimitée. Ce soir, cette puissance viendra sur toi. Cette puissance va te toucher là-bas ce soir. Deuxièmement, il y a la paix. La paix inébranlable. La paix viendra donc. Tous les troubles vont disparaître. Tout le manque de repos disparaîtra. Toute la culpabilité disparaîtra. Il y a la paix inébranlable. Troisièmement, il y a la pureté indéniable. La pureté indéniable. Ce soir, c'est cette soirée. Le Seigneur va apporter la pureté dans chaque cœur au nom de Jésus. Quatrièmement, il y a le partenariat non restreint. Un partenariat avec le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de restriction à ce partenariat. Et ce partenariat viendra pour toi ce soir. Quelque chose de grand va se passer. Et quelque chose de merveilleux va se passer. Cinquièmement, il y a la prière indéniable. Indéniable. Ce soir, tu ne seras pas privé de ton exaucement. Je ne serai pas privé quand nous mentionnons le nom de Jésus et nous parlons contre les montagnes. Comme il y a la plénitude de l'Esprit de Dieu ce soir, il y a la prière non rejetée. Il y a les promesses infaillibles. Toutes les promesses qu'il a faites. Il n'y aura pas d'échec ce soir. Parce qu'il y a des promesses infaillibles. Septièmement, il y a la protection qu'on ne peut assaillir. La protection qui te parviendra ce soir. Que Dieu dit, il va t'environner d'une muraille de feu. Il va t'environner d'une muraille de feu. Et toute mauvaise chose qui va vouloir pénétrer le feu va les brûler au nom de Jésus. La puissance illimitée, la paix non dérangée, la pureté indéniable, le partenariat non restreint, la prière indéniable,
les promesses infaillibles, la protection qu'on ne peut assaillir, la provision inquantifiable, les provisions, ça coule dans ta vie seulement, coulant dans ta famille, et elle coule dans tes affaires ce soir au nom de Jésus. Neuvièmement, la prospérité sans précédent. Un type de prospérité que tu n'as jamais connu avant. Ce soir, ça viendra dans ta vie au nom de Jésus. Dixièmement, le progrès non bloqué. Personne ne bloquera ton projet. Les ennemis disparaîtront du chemin. Tous les ennemis disparaissent du chemin. Quitte son chemin. Parce qu'à partir de ce soir, le progrès non bloqué au nom de Jésus. Voyez ceci. Ce soir, il y a la promotion imparable. Et après que Dieu t'a donné toutes ces choses, et maintenant à la fin, douzièmement, il y aura le paradis et infini. Je serai là-bas. J'irai là-bas. Et tu iras là-bas au nom de Jésus. Ce soir, la plénitude de l'Esprit. Ce soir, le déversement de l'Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes chapitre 6, verset 8. Philippe, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Cette puissance est transférée dans ta vie. Cette puissance était donnée ce soir. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Acte 11, verset 24. En Acte 11, verset 24. On nous dit ici, car c'est un homme de bien. La grâce est parvenue dans sa vie. C'est un homme de bien. Quelqu'un là-bas, la grâce coule dans ta vie. La miséricorde de Dieu coule dans ta vie. Le pardon coule dans ta vie. La liberté coule dans ta vie. Où es-tu? Que Dieu fasse de toi un homme de bien sans contradiction au nom de Jésus. Plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. L'addition est venue. Surnaturel dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Maintenant, tu es prêt. Miracle, tu es prêt. Liberté, tu es prêt. Le salut, tu es prêt. Exaucement à tes prières, tu es prêt ce soir. Jean chapitre 15. Jean 15. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je suis choisi ce soir. J'ai dit moi je suis choisi ce soir. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que... C'est qui là-bas? Afin que ce que... C'est pour qui là-bas? Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Je reçois. J'ai dit je reçois. Tu l'as au nom de Jésus. Jean 16, verset 23. Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne me interrogerez plus sur rien. En vérité, certainement, avec assurance, je vous le dis, ce que vous demanderez, est-ce que tu es prêt à prier? Ce que vous demanderez, est-ce que tu es sûr que il va t'exaucer? Ce que vous demanderez, est-ce que tu es sûr que tu vas avoir la plénitude ce soir? Est-ce que tu es sûr de ta guérison ce soir? Est-ce que tu es sûr de ta délivrance ce soir? Ce que vous demanderez au Père en mon nom,
Complète la phrase. Achève la phrase toi-même. Dis-le pour toi-même avec assurance. Il te le donnera. Ta prière déjà exaucée. Tu vas louer Dieu ce soir. Tu vas te réjouir ce soir. Parce que tout ce que tu vas demander ce soir, tu l'as déjà eu. Ton miracle est déjà confirmé. Ta guérison est confirmée. Le déversement est confirmé. Lève-toi et réclame-le. Lève-toi et prends-le. Lève-toi et reçois-le. C'est pour toi. C'est pour toi. Il n'y a plus de doute ce soir. Il n'y a plus de doute ce soir. La liberté. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ouvre la bouche. Il y a l'assurance ce soir. Qui a l'exaucement prié ce soir. La liberté du péché disponible ce soir. La liberté de la maladie disponible ce soir. Liberté de toute affliction satanique disponible ce soir. Il assure ce soir que les prières sont exaucées. Il assure ce soir que les maladies sont ôtées. Il assure ce soir que toutes ces choses sont annulées, pardonnées. Il assure ce soir. Les afflictions sataniques sont chassées. Tu es libre. Tu es libre. Libre. Puisque le Fils vous a franchi, tu es libre. Libre dans ton âme. Libre dans ton esprit. Libre dans ton dans ta pensée. Libre dans ta vie chrétienne. Libre dans ton foyer. Libre de toute puissance des ténèbres. Libre de tout problème qui te chassait. Libre. Tu es libre. Tu es libre. C'est confirmé. Tu es libre. C'est confirmé. Tu repartiras à la maison avec cette liberté. Tu repartiras avec cette délivrance. Tu repartiras à la maison avec cette domination. Tu repartiras à la maison avec la joie de l'exaucement aux prières. Victoire sur le péché. Victoire sur la maladie. Victoire sur Satan. C'est pour toi. Plus de doute en cela. Tu es libre. Cette montagne sera déplacée. Ces troubles de l'ennemi sont ôtés. Ces liens sont brisés ce soir. Les jougs sont brisés ce soir. Les malédictions sont brisées ce soir. C'est fait. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Plus de retard, annulé. Plus d'amertume, c'est annulé. Il y a une fusion, c'est pour toi. C'est à toi. La promesse est pour toi. La puissance est pour toi. La provision est pour toi. Le partenariat pour toi. La protection est pour toi. La promotion est pour toi. Le progrès pour toi. La prospérité est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Reçois, c'est pour toi. La victoire. Le triomphe. C'est pour toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Et ce soir, c'est la nuit de l'accomplissement. Ce soir, c'est la nuit de la plénitude. Ce soir, c'est la soirée de liberté.
mentionne ce cas au Seigneur. Les problèmes sont résolus. Le joug est brisé. Mentionne-le au Seigneur dans la prière. Dis Seigneur, me voici. C'est fait. C'est fait. Tu ne peux pas échouer, c'est fait. C'est à toi ce soir. Il y a une confirmation des promesses. Une confirmation des déclarations divines. Il a dit qu'il le fera. Il a dit que tu seras plus confus. La liberté, la fructification, la plénitude, l'abondance, la suffisance, la guérison, la délivrance, la domination, le triomphe, la puissance, l'autorité, les jougs brisés, les prières exaucées, les montagnes sont déplacées. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. C'est ta soirée. Toutes les maladies sont déplacées. La tristesse est enlevée. Les larmes sont effacées. La dépression est enlevée. Le stress et la détresse sont enlevés. La confusion est enlevée. Les conflits de l'ennemi sont annulés. Réjouis-toi parce que le Seigneur fait des miracles dans ta vie ce soir. Les montagnes sont déplacées ce soir. Tes montagnes même sont déplacées ce soir. Les maladies incurables sont guéries ce soir. Les jougs sont brisés. Les malédictions sont enlevées. La mauvaise chance est enlevée. Les ossements sont à toi. La promesse est pour toi. La provision est pour toi. Le miracle pour toi ce soir. Le salut pour tout le monde ce soir. La force pour tout le monde ce soir. La capacité divine ce soir pour tout le monde. La miséricorde pour tout le monde ce soir. La domination, c'est pour toi. Le triomphe, c'est pour toi. L'exaucement aux prières, c'est pour toi. Il ne peut faillir. Il ne peut faillir. Il est Dieu. Il est Dieu. Remercie-le, remercie-le, remercie-le maintenant. Réjouis-toi, parce que ce soir, ta prière est exaucée.
Réjouis-toi parce que ta prière est exaucée. Tu le sais. Voici les miracles qui t'accompagneront à la maison. Tu le sais. L'exaucement à ta prière t'accompagnera à la maison. Tu sais. La victoire t'accompagnera à la maison. Tu sais que les miracles vont t'accompagner à la maison. Réjouis-toi. Ce que Dieu a commencé va l'achever. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai eu mon miracle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je suis délivré. Je suis affranchi. Je suis libre. Je suis plein. Je suis fructueux. Mes montagnes sont parties. Au nom de Jésus, nous prions. Ton exaucement est venu du ciel. Tes miracles sont venus du ciel. Plus de stérilité. Plus de stérilité. Plus de retard, plus d'amertume. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Où est-elle? Où est-elle? Lève ses mains. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu qui ne peut faillir, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute majesté. Le Dieu de toute domination, ton peuple un à un, chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille, et chacun a invoqué ton nom. Et ce soir, il y a l'assurance de l'exaucement en prière. Confirme-le au nom de Jésus. Tous ceux qui se battent contre un péché, libère-les, affranchis-les. De toute lutte, affranchis-les. De tomber, de se lever, affranchis-les. Des doutes sur le salut, affranchis-les. Que l'Esprit du Dieu vivant rende témoignage à leur esprit, à chacun maintenant, que leurs péchés sont pardonnés. La paix de Dieu est venue. Et la victoire est venue pour vous au nom de Jésus. Seigneur, plus de maladies ne suivra ton enfant. Les montagnes de maladies, je vous commande, disparaissez au nom de Jésus. Maladie incurable. Le Seigneur touche ton corps maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres, puissance de Satan, d'occultisme, militant contre ta vie. J'annule cela au nom de Jésus. Seigneur, amène tout chose sous les pieds. Marchez sur ça. Marchez sur ça maintenant. Je vous parle. Marchez sur ces choses. Sur vos problèmes. Marchez sur vos problèmes. Sur ces mauvais esprits. Marchez sur eux maintenant. Sur les puissants des ténèbres qui vous tourmentent. Marchez sur eux maintenant. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Tout retard soit transformé en avancement. Stérilité en fécondité. Amertume en vie douce au nom de Jésus. Et suis toutes leurs larmes. Ôte toutes les tristesses. Affranchis-les.
Mon frère qui est là-bas, affranchis-le. Ma soeur qui est là-bas, affranchis-la. Et je prie, Seigneur, toute l'amertume du passé, la tristesse du passé, les maux du passé, les regrets du passé, les pleurs du passé, efface toutes choses au nom de Jésus. L'accomplissement dans chaque vie, la joie dans chaque vie, exaucement dans chaque vie, miracle dans chaque vie. Il y a témoin dans ta bouche maintenant. Le témoin dans ta bouche maintenant. Il y a un témoin dans ta bouche maintenant. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Je te remercie pour l'exaucement. C'est fait. C'est fait. Et cet amen ne va jamais cesser dans ta vie. La joie ne va jamais cesser dans ta vie. Alléluia ne va jamais cesser dans ta vie. Et les acclamations ne vont jamais cesser dans ta vie. La puissance pour toi, en toi, au-dessus de toi, autour de toi. Et tu ne vas jamais échouer. Une confirmation dans ta vie. L'assurance dans ta vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.